À la 5e édition du Salon des auteurs de la Nouvelle-Acadie. Encore aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui a rassemblé différents exposants, que ce soit des auteurs, des généalogistes, des historiens, des artisans ou encore des illustrateurs. Tout le monde a répondu présent avec tout leur enthousiasme et ça a été un succès et nous continuons sur cette lancée pour tout l'après-midi. Tout d'abord, à vous tous d'être présents, merci aux auteurs. Et puis surtout, merci à notre président d'honneur, M. Landry, et les trois co-auteurs, et surtout Phil Comeau, le directeur de projet, d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Je peux vous dire que la Nouvelle-Acadie, Alexandre est là pour en témoigner, on va revendiquer la paternité du livre L'Acadie hier aujourd'hui, parce que ce livre-là est né d'une rencontre entre Alexandre et Warren Perrin. Il y a 5 ans, en 2011, Warren Perrin avec une représentation de la Louisiane. Ils sont venus passer 4 jours au Festival acadien et j'ai demandé à Alexandre de nous tracer un parcours historique et puis de prendre Warren et ses amis puis de les promener toute la journée à travers la Nouvelle-Acadie à partir de l'Assomption. Et puis quand on connaît Warren Perrin, une petite idée, ça part comme ça puis ça finit gros comme le monde. Bien, ce livre-là, c'est un peu gros comme le monde, mais c'est le monde acadien. Et puis, on peut dire, bien, à cause d'événements tristes dans l'histoire, que les Acadiens sont aussi partout dans le monde. Dans ce livre-là, bien, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ont fait des témoignages, mais c'est toujours des Acadiens de cœur. L'Acadie, c'est un pays dans notre tête, c'est un pays dans notre cœur. J'inviterai maintenant le directeur de ce beau projet, le livre L'Acadie, d'hier à aujourd'hui, M. Phil Comeau, à nous rejoindre pour la présentation du livre. Merci infiniment. Merci. Merci, Evangeline, pour les beaux mots aussi. Le projet, comme elle a dit, ça a commencé à mijoter dans la tête de Warren Perrin, l'avocat de la Louisiane qui s'est battu pour faire reconnaître la déportation des Acadiens en réussissant à convaincre des Acadiens d'origine, des Québécois d'origine acadienne à s'impliquer, à faire de la pression sur le Parlement à Ottawa, puis ensuite en Acadie, avec la Société nationale de l'Acadie. C'est cet homme-là qu'a eu l'idée avec Alexandre. Et aussi, quand j'avais présenté le film « Les Acadiens du Québec » qu'on avait tourné, ici dans la région, Warren et Phil, comment ça se fait que tu ne fais pas un film sur toutes les régions acadiennes du monde? J'ai dit, ouais, ben, si tu as 3 millions de pièces, on va le faire. Mais... fait que c'est ça, c'est là qu'il s'est mis à mijoter en discutant avec l'historien d'ici, Alexandre, qui a vu qu'écrire, faire un livre, ça coûterait bien moins cher que de faire une série sur toutes les régions acadiennes. Quoiqu'un jour, j'espère de pouvoir le faire. Donc, pendant 2 ans, Warren a cherché à travers des auteurs de toutes les régions acadiennes, du Québec, des Maritimes, de la France, de la Louisiane, du Maine, du Texas, toutes les régions où il y a des gens qui sont réunis en communauté et qui sont fiers de dire qu'ils sont d'origine acadienne. Et à un moment donné, j'étais en Louisiane à un festival de films où je présente un film et il m'amène au restaurant puis il dit « Phil, j'ai ça d'articles qui m'ont été envoyés par des auteurs d'un peu partout, des historiens, des politiciens, des avocats, des gens qui travaillent dans le milieu culturel, etc. Et je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Il y a des gens qui se répètent, il y aurait du travail d'édition à faire, tout le monde parle de la déportation. »
mais il me semble une fois ça suffirait, puis après ça on va parler de autre chose et tout ça. Ça fait que j'ai dit oui, combien de temps? Il dit oh, peut-être 2 mois, mais ça a pris 5 mois à tout réunir, les articles, trouver la bonne ordre, parler aux auteurs, back and forth, s'envoyer des courriels avec des corrections, des suggestions, etc. Je dirais qu'il y a 2/3, ça parle des régions acadiennes dans le monde contemporain, si on veut, puis à peu près le dernier 1/3 du livre, c'est des histoires régionales de toutes les régions. Donc, dans ce sens-là, on a trouvé ça intéressant. Les gens disaient « Pourquoi vous n'avez pas mis l'histoire avant? » Parce que l'histoire, ça vient avant, mais on trouvait que c'était plus important de parler dans un premier temps de qu'est-ce que c'est, puis ensuite d'aller voir pourquoi que c'est comme ça. En autre mot, aller voir, vérifier l'histoire après. Fait que c'est ça, c'est 65 articles d'une cinquantaine d'auteurs qui viennent du Québec, qui viennent des 4 provinces de l'Atlantique, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île de Prince-Édouard, Terre-Neuve. Ensuite, des États-Unis, c'est des auteurs qui viennent du Maine, du Texas et bien sûr de la Louisiane. Puis de la France, c'est des articles qui viennent des régions acadiennes de Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, du Poitou, et puis un Parisien, en tout cas. Fait que... parce qu'il y a pas mal, il y en a là aussi. Ça fait que c'est ça, c'était surtout un livre qui réunissait les régions dans le monde où les gens, où il y a des communautés, où il y a des gens qui sont fiers de dire qu'ils ont du sang acadien. Fait que, parce que sinon, il y a des Acadiens probablement dans tous les pays du monde, mais là, c'était pas ça le but du livre, c'était ça. Donc, ça, je vous souhaite que vous puissiez le lire. C'est des articles, c'est le genre de truc que tu en lis une le soir avant de te coucher, puis le lendemain, tu en lis un autre. Tu te promènes dans le livre, puis tu vas voir les articles qui t'intéressent, puis tout ça. Alors, M. Vachon, je vous invite à prendre la parole. Merci infiniment. Moi, je venais de terminer l'écriture de mon livre « Les déportations des Acadiens, leur arrivée au Québec » quand j'ai été approché pour écrire dans l'Acadie hier ou aujourd'hui. Alors, ce livre qui remet en perspective donc l'histoire de l'arrivée des Acadiens au Québec, qui n'avait pas vraiment été traité auparavant. Oui, il y avait quelques petites recherches qui avaient été faites, mais la recherche n'avait pas été faite en profondeur. Donc, ce petit livre qui est ici, à ma droite. Et donc, oui, j'ai gagné quelques prix. Donc, le Persifoy pour la contribution à l'avancement de l'histoire, le prix Acadie-Québec décerné par le gouvernement donc, du Québec et de la Société nationale acadienne pour... ma contribution donc, dans mes écrits notamment et mes conférences. Et donc, j'étais vraiment content aussi d'être nominé, être en compétition avec moi-même pour le livre, donc, pour avec l'Acadie hier et aujourd'hui, donc pour France-Acadie, avec un autre livre aussi du Nouveau-Brunswick. Donc, quand on m'a approché, j'étais vraiment content parce que là, c'était sur la question de la migration donc des Acadiens, alors de 1755 à aujourd'hui. Alors là, dans ce livre-là, donc on va plus loin. Alors, il y a 3 vraiment grandes vagues d'arrivées d'Acadiens au Québec. La première étant les réfugiés qui sont arrivés entre 1755 et 1759, ceux qui n'ont pas été déportés. Donc, eux ont fui. Alors, ils ont pu arriver ici, donc au Québec, et ensuite, évidemment, dans la Naudière. Alors, 9 bateaux qui ont été apportés au port de Québec, et de là, on redirigeait les Acadiens. Et ensuite, la deuxième vague étant les déportés qui avaient été envoyés en Nouvelle-Angleterre, où on a, après quelques échanges, permis de venir s'installer au Québec et d'aller rejoindre les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, la parenté, donc au Québec. Alors encore un autre groupe qui est arrivé dans la Naudière, qui arrive en 66 et 67 notamment. Et la troisième vague, c'est au 19e et au 20e siècle, qui est essentiellement les Madelinots. Hein, on sait que l'archipel des îles de la Madeleine, elle est petite. Mais les familles sont nombreuses, donc on avait besoin d'espace. Alors, pour la très grande majorité, ce sont eux qui vont être envoyés, qui vont suivre les curés, les appels de colonisation. La Côte-Nord, l'île d'Anticosti, on a l'Abitibi-Témiscamingue, on a Kénogami, donc dans le lac Saint-Jean. Alors, ils vont aller dans Verdun aussi à Montréal. Ils vont aussi aller dans Beauce, à Saint-Théophile, comme on dit, donc Saint-Théophile. Alors, les Acadiens des îles de la Madeleine ont vraiment peuplé le Québec. Ils se sont promenés. Évidemment, il y a d'autres Acadiens qui vont arriver d'ailleurs, notamment du Nouveau-Brunswick, de la péninsule, qui vont aussi les suivre dans cette course-là. Alors, c'est surtout par le commerce
au départ là, de cette troisième vague, c'est le commerce maritime qui les amène à suivre donc les pêcheries. Alors quand on faisait la chasse aux morses, alors les Acadiens suivaient donc le périple des morses, c'est comme ça aussi qu'ils se sont promenés. Alors pour en savoir plus donc dans le livre L'Acadie hier et aujourd'hui, vous allez donc en apprendre davantage sur ces péripéties, ces promenades d'Acadiens pour finalement s'installer où ils sont aujourd'hui. Alors, merci, Alexandre. Alors, merci d'être là, premièrement. Monsieur Landry, merci d'être présent. Dans la MRC Montcalm, il y a un gros pôle acadien. Moi, je l'entendais quand j'étais jeune assez que je leur poussais un peu en me disant oh, OK, c'est les vieilles histoires de la Bélanou qui nous racontent tout le temps. Mais en grattant un peu, en regardant entre autres ma généalogie, des choses comme ça, il y a quelques années, je me suis aperçu que, finalement, il n'était pas trop dans le champ, la Bélanou, loin de là. Ici, dans la MRC, en fait, dans la région de la Nouvelle-Acadie, on a pour 20 % de la population acadienne du Québec, parmi les colonisateurs, donc parmi tous ceux qui sont arrivés dans les premières décennies. 20 % des Acadiens qui se sont installés au Québec sont venus dans notre coin. Donc, ça explique pourquoi on a tant de noms de famille d'origine acadienne. On a juste à penser à Mme Richard qui se présente, mais aujourd'hui, on a eu des Bourgeois, des Dupuis, des Miraux qui sont passés, je pourrais en nommer longtemps comme ça. Donc, la région a s'est développée avec des personnes qui avaient été déportées. On a longtemps entendu qu'ils faisaient pitié, qu'ils étaient malades, pauvres. Il y a une grande partie de ça vrai, mais il y a une grande partie aussi que c'était des familles complètes, plus souvent qu'autrement, qui se sont établies puis qui se sont aussi installées dans des postes très importants. On a eu des maîtres meuniers, on a eu des députés, avant même les premiers députés de l'Acadie, on a eu des députés ici qui étaient acadiens, qui venaient de notre coin, etc. Donc, il faut être conscient que notre bagage génétique acadien est un bagage de très grande qualité, puis c'est des personnes d'une très, très grande importance qui sont venues s'installer ici. Probablement que dans les années futures, on va apprendre encore plus en détail, mais vous allez voir des gens en lisant l'article que j'ai pu écrire dans le livre L'Acadie hier et aujourd'hui, qu'on a toute une histoire, puis c'est une magnifique histoire, donc je vous invite à la lire si ce n'est pas déjà fait. Merci.